Bonjour à tous, je suis Edmund Rasmussen et bienvenue dans la suite de ce Let's Play narratif sur la Suède et la Norvège. Alors nous vous avions laissé le 20 août 1513 alors que le Danemark, battu de toutes parts, allait être forcé de signer le traité qui allait mettre fin à toute tentative de reprise de la puissance danoise dans la mer Baltique. En effet, nous sommes au crépuscule d'une longue guerre qui a été très coûteuse pour les royaumes européens, à l'aube elle, de la montée du protestantisme, et les appétits suédois et norvégiens n'ont jamais été aussi grands sur la péninsule danoise. Ainsi, nous pouvons voir qu'au terme du traité, les provinces de Halland et de Blekinge, soit les deux dernières provinces présentes en Scanie et sous domination danoise, reviennent à la couronne de Suède. Tandis que de son côté, la Norvège, elle, récupère toutes les provinces du Jutland, permettant enfin de couper les Danois uniquement en les renvoyant sur leur île. A noter aussi la création du duché de Holstein, véritable état tampon entre l'Allemagne et les royaumes norvégiens et suédois. Celui-ci permet en plus de prendre de nouveaux territoires au Danemark sans pour autant s'attirer une coalition allemande avec le rapprochement de la puissance norvégienne et suédoise. Objectif atteint alors pour les Suédois et les Norvégiens. Les Suédois ont finalement fini par récupérer toute la péninsule de Suède et les Norvégiens ont eu réussi à prendre pied en Europe tout en gardant leurs possessions bien plus à l'ouest et en augmentant leur empire colonial. Ainsi, peu de temps après la guerre, le 11 janvier 1514, la trêve entre l'Orve de Novgorod et le Royaume de Suède vient de prendre fin, permettant aux Suédois de repartir en guerre dès que l'envie leur prendra. Fait intéressant et léger dans cette tourmente de guerre, de trahison et de traité, un troubadour itinérant venu du sud de la France va décider de choisir la Suède et va, à travers les villes de Suède, égayer la population, apportant une stabilité supérieure à l'état suédois. A noter aussi que le nouveau roi, Karl IX Johan Gumsethufvud, est un très très bon général. Il maîtrise parfaitement le choc et les débordements tactiques, lui permettant d'obtenir le rang de 2 étoiles en termes de général, ce qui est non négligeable lors d'une bataille. Celui-ci maîtrise finalement relativement bien le siège et le feu, bien que le feu soit relativement peu usité en ce début du XVIe siècle. Tout cela bien évidemment dans les armées suédoises. À l'est, comme en Europe, les armées les plus avancées technologiquement maîtrisent elles déjà le feu depuis un moment. Le 19 août 1514 est aussi une date très intéressante pour la Suède, qui finit par accepter la renaissance en son royaume, lui enlevant un coût de retard technologique de 50%. Donc il faudra donc 50% moins de puissance diplomatique, administrative ou militaire pour augmenter les technologies. Décidément très altruiste, le roi Karl IX, pour éviter toute révolte dans la Scanie et éviter un mal-être des populations danoises sous domination suédoise à présent, va permettre l'adoption d'un décret qui met en avant la culture danoise et celle-ci sera en effet maintenant très bien intégrée dans le royaume de Suède. A noter que la culture suédoise ne représente en fait que 48% du développement en Suède, 12% sont finnois, 20% sont danois, 7% lapons, 4% carélien, c'est-à-dire à l'est de la Finlande, 3% lettons, donc dans les provinces de Goldingen et d'Ossel, qui sont visibles sur la carte, et 1% de norvégiens dans le Finnmark. L'année 1514 est décidément remplie d'événements. Le 9 octobre, les traductions de la Bible protestante sont découvertes dans le Kola, c'est quand même une province très à l'est et très peu peuplée. Ces copies seront brûlées et le prêtre qui les a écrites avec, pour empêcher toute diffusion des hérésies en Suède, la Suède étant pour le moment très ancrée dans les principes catholiques universels, ce qui est un pléonasme. Le 13 novembre 1514, nous apprenons avec stupeur que la Norvège, beaucoup plus ouverte d'esprit que la Suède à cette époque, a décidé de laisser entrer les Bibles protestantes dans son territoire, laissant un boulevard, donc en Scandinavie, pour les protestants. Le 1er avril 1515, les Suédois se rendant compte de leur extrême retard en termes d'artillerie, n'en possédant toujours pas, vont commencer à faire la modernisation de leur armée et à
créer des bataillons d'artillerie, très utiles dans la prise de forteresses. Le 25 mai 1516, la modernisation de l'armée suédoise est terminée, portant finalement le nombre d'hommes à 24 000. Le 22 novembre 1516, alors que la Suède se porte de mieux en mieux suite à l'arrêt des guerres, la Suède se rend compte que la Moscovie, dans un excès de semi-traîtrise, a lancé une guerre contre Novgorod, annexant plusieurs territoires et envahissant Novgorod, justement, sans prévenir ses alliés suédois qu'une telle guerre pouvait arriver. Les Suédois, se sentant lésés de ne pas avoir leur part du gâteau dans le grand dépecement de Novgorod, vont légèrement s'énerver contre la Moscovie et préparer, qu'à cela ne tienne, un assaut sur Novgorod parallèle à la guerre de la Moscovie. Cette guerre contre Novgorod est une guerre éclair menée par la Suède et ses alliés, et celle-ci sera très rapidement bouclée. Ainsi, le 18 octobre 1518, la Suède obtient Ladoga, Ingri et Narva, et bloque momentanément l'entrée à la mer Baltique aux Moscovites, ainsi aucun Moscovite ne barbote dans le golfe de Finlande comme en était l'objectif principal. Ceux-ci pourraient néanmoins prendre Reval et Pernov et avoir un accès à la mer, mais ne seraient pas raccordés à leur territoire, donc c'est une victoire totale pour les Suédois, et ceci va se faire très vite ressentir à la cour de Moscou, où les Suédois seront très peu les bienvenus ces temps-ci. Ainsi, vous pouvez aussi voir sur cette carte que malgré les efforts suédois pour intégrer les populations danoises, celles-ci vont se révolter, elles sont bien évidemment écrasées par la garnison de Kalmar, qui avait pressenti une telle révolte. Ainsi, nous pouvons voir que dès le 13 octobre 1519, le Holstein, nouvel état créé de toutes pièces par les Norvégiens et les Suédois, a déjà perdu le Schleswig au profit de Hambourg, ce qui fait légèrement échouer la tentative d'état tampon anti-Danemark, mais finalement, est-ce réellement un problème? Cela pourrait en effet devenir un problème, car Hambourg étant un foyer protestant, il va tout de suite convertir le Schleswig au protestantisme, permettant au protestantisme de rentrer dans le Jutland norvégien et se diffuser probablement en Scandinavie, ce qui est le contraire de ce que voudraient les Suédois. Le 29 août 1520, c'est une page de l'histoire suédoise qui se tourne. En effet, la Moscovie choisit comme rivale la Suède et la Suède choisit comme rivale la Moscovie. Ainsi, les deux alliés d'hier seront les ennemis de demain. Nous allons voir comment la Suède réagira face à cette agression moscovite. Arrivera-t-elle à bloquer totalement l'accès à la mer Baltique, voire même l'accès à la mer tout court? La Suède pourrait débouler en mer Blanche et bloquer les dits moscovites. Mais c'est une histoire que nous verrons dans le prochain épisode du Let's Play narratif de la Suède et la Norvège.